Salut tout le monde, c'est Magby. Les amis, j'espère que vous allez bien. Même si vous en battez les couilles, je vous dis quand même, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons créer ensemble une mélodie hardstyle. Ouais, 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 vous avez très bien entendu, hardstyle. Pourquoi me diriez-vous cette idée m'est venue? Pourquoi ce matin je me suis levé mais je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo comme ça? Pour la simple et bonne raison que vous avez été nombreux à kiffer la mélodie de Charbonneur. Vous m'avez dit what the fuck my man, d'où t'as sorti un... D'où t'as sorti? Ça commence bien. Vous êtes nombreux à m'avoir dit mais mec putain, d'où t'as sorti une mélodie aussi charbonnante et tout le bazar. Du coup je me suis dit que ça serait peut-être sympa que je vous filme comment je crée une mélodie du début jusqu'à la fin. Voilà, je pars avec rien et j'arrive à une mélodie, comment je fais, voilà le process et tout le bordel. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, vous allez la créer avec moi ensemble. Pour les leads, je vais réutiliser les mêmes que j'ai utilisé pour la mélodie de Charbonneur. Et voilà, qu'est-ce que je devais dire d'autre? Cette vidéo risque d'être longue, voilà, comme c'est une vidéo compo, je vais volontairement au montage pas très cuté pour que vous voyez bien comment je procède. À part si à un moment, voilà, je vois que c'est vraiment long, bah je couperai, mais vous serez prévenus, vous inquiétez pas. Voilà, vraiment le but c'est que je vous montre comment je fais mes mélodies et si ça peut vous inspirer pour faire les vôtres, et ben c'est justement le but recherché. Le but recherché c'est que cette vidéo puisse vous aider à créer vos mélodies à l'avenir. Voilà, et ben c'est parti, on y va, let's go. Vous voyez, donc là ici sur l'écran, vous voyez, il y a top 1, top 2, super saut, mid 1, mid 2, corde 1, corde 2, sub bass et bass. Voilà, ça c'est tout ce que j'utilise pour mon lead. J'ai préparé ça avant d'allumer la caméra parce que voilà, le temps de mettre tout ça, de faire un petit peu des effets, des cuts, de mettre la reverb, ça prend un temps fou et c'est ça qu'on aurait perdu pour rien. Donc ce que je fais déjà quand je commence, c'est que je vais sur mes cordes, ok. Je vais tenter de créer des accords. Donc là c'est ce que je vais faire. En premier je fais toujours ça, je trouve mes accords. Alors mais vraiment, c'est du pif, hein. Vous voyez, je cherche pas, j'ai pas de recette miracle si vous voulez, c'est juste, voilà, je prends ma souris, mon clavier, mon piano, et je pianote comme ça, et j'écoute voir si ça le fait ou pas. Oui, donc je le dis aussi, dans cette vidéo, je risque d'être très sérieux, hein, ça peut en surprendre certains, mais quand je compose, je suis pas le mec qui rigole et qui fait des grosses vannes, comme j'aime bien le faire, parce que je suis très très concentré. Donc on y va, c'est parti. Ah oui aussi, et tant que j'y pense, vous allez me dire, mais Magby, pourquoi tu nous as pas plutôt fait une mélodie avant et nous expliquer comment tu l'as fait? Tout simplement parce que c'est pour vous montrer aussi que réussir une bonne mélodie, c'est quelque chose de long. Est compliqué. C'est-à-dire que là, à l'issue de cette vidéo, peut-être que la mélodie ne sera pas dingue, peut-être que la mélodie ne sera pas ouf, peut-être qu'elle sera pas terrible, terrible. Mais en fait, ça fait partie du process. C'est-à-dire que pour avoir une bonne mélodie, sachez-le, hein, il faut en faire beaucoup. C'est-à-dire que moi, je pars du principe généralement sur une semaine, si vous faites une mélodie par semaine, donc vous faites 7 mélodies, il y en aura au moins une qui sera vraiment parfaite à vos oreilles charbonnantes et tout. Sachant que vous en aurez fait 7, vous voyez. On va partir sur du Fa mineur. Voilà. Excellent. Alors ça c'est parfait, parfait. Voilà, une fois que j'ai les accords, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je garde les accords, ok. Donc généralement je les mets voilà, là-bas. Je reprends ces accords-là et maintenant je crée une rythmique. Alors j'ai envie de partir sur une rythmique pas trop compliquée, plutôt une mélodie ce qu'on qualifierait de commerciale, c'est-à-dire assez linéaire, pas qui part un peu dans tous les sens comme Charbonneur. Charbonneur elle part un peu dans tous les sens. Là je pense que je vais essayer de faire un truc assez linéaire, je vais bien voir, mais je pense. Quelque chose comme ça, ouais. Ça peut être pas mal du tout.
C'est pas mal du tout. Et je suis assez rapide. C'est étonnant parce que je jure, des fois je mets des heures, mais là ça, je suis assez rapide pour le coup. On va peut-être rajouter un petit tac-tac à la fin. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Where are we? Oula! Ouais, et on va peut-être rajouter un petit. Dans le but de faire varier un peu quand même. Tan 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 tan. À la limite. Non. Moi non en fait. On va laisser tel quel, on va pas se casser trop la tête. Nous avons nos accords, nous avons notre rythmique. Maintenant, ce que je fais en fait, c'est que je prends les accords avec la rythmique et hop, je vais construire la mélodie avec. Okay. Et ça, toujours pareil, je le garde. Oui. Bon, je peux le laisser là parce que ça fera les accords. Hop, je le mute surtout. Et maintenant, on va faire la mélodie. Donc pour la mélodie, voilà, je pars avec les accords et la rythmique. Et là, maintenant, je vais bouger les notes un peu partout pour faire une mélodie. C'est pas ouf ouf hein. C'est complètement pas du tout ça.
Non, bah c'est pas ça. Et en plus, j'avais dit que je faisais quelque chose d'assez linéaire et finalement, je suis pas du tout dans le linéaire. Donc, c'est pas grave, on recommence. Ah, là, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, on a quelque chose quand même là, mine de rien. Voilà, donc nous avons une première mélodie, bah c'est pas trop mal en vrai. Et ce qui fait tout, vous allez voir, c'est quand on met tout le lead avec les cordes, là c'est pas mal. Bon voilà, du coup on a une... Attendez, hop, ça fait ça, tac, c'est parti. Ça sera pour attendez. Bon voilà, on a déjà une première mélodie. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ou pas. Moi pour le coup je la trouve bien, mais c'est pas ouf. Donc voilà, comme vous avez vu comment je fais, voilà comment je fais une mélodie. Bon, comme je vous dis, j'aime bien, mais je m'en servirai pas pour faire un morceau quoi.
pas mal. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que là, voilà, comme on a eu une mélodie qui était pas folichette, on va dire ça comme ça, ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse une deuxième, bien évidemment. Bah après, vous n'êtes pas obligé de faire dans le même ordre que moi, avec accord, rythmique, mélodie, etc. Mais c'est de faire ça. Vous allumez votre PC, vous faites une mélodie comme moi ici, voilà. Bon, elle est bien, mais voilà, j'ai pas le coup de cœur et tout ça, donc je la garde pas. Oui, vous faites comme moi, sinon, regardez, vous faites ça, hop, vous le mettez sur le côté. Moi, j'ai un projet comme ça, où en fait, le projet, je fais tout plein de mélodies comme ça, et à chaque fois je les mets sur le côté, et de temps en temps il y en a une qui waouh, quand elle sort incroyable, et genre comme par exemple celle de Charbonnière, et bim, allez, et là vous allez me dire, ah, mais Mike B, ça sert à rien tes conneries, tu fais une mélodie, voilà, tu nous montres et après tu t'en sers pas. Bah mais justement, en fait, ça c'est très important, parce que même si vous en servez pas, ça vous permet de vous entraîner et de comprendre comment placer les notes, comment faire une petite mélodie, etc. Tout ce que vous, même si vous vous en servez pas, tout ça, ça vous sert d'entraînement. Là voilà, moi celle-là elle va finir à la corbeille clairement de mélodie, voilà, ça m'a entraîné. Là on va attaquer pour la deuxième mélodie, et je vais procéder différemment, c'est à dire que à la première étape je vais changer, plutôt que de partir d'un accord tout fait, je vais dire voilà, je pars d'une note et j'en choisis 4 qui se succèdent bien, ok. Et une fois que j'ai ces 4 notes, bah je viens rajouter une à chaque, donc ça fait 2 2 2. En fait je pars d'une note et seulement après je construis mon accord, plutôt que de partir avec l'accord directement construit, ok. Vous me suivez ou pas trop? Je vais vous montrer ça. Regardez, tout à l'heure on est parti du voilà, du fa mineur direct, bim, 5 notes comme ça. Sauf que là, maintenant, on va faire différemment. Par exemple, voilà, là, je vais dire, je pars de cette note-là, voilà. Dic, D dièse. Et je vais construire mon accord comme ça, ok. Méthode un peu différente, mais c'est pas mal non plus. Alors, on part du D dièse. Ah, c'est pas mal ça. Je m'emballe un peu. Oh, quel carnage. Mais quel carnage. Non, ça va pas, c'est ça. Ça va pas du tout. C'est joli, hein. C'est déjà mieux. C'est encore mieux. Et voilà, et on va valider celle-là. Donc on a notre accord. Tac, 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 tac. Ok, maintenant, en avant la rythmique. En avant la rythmique, la rythme, arrête la rythmique. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette rythmique-là? On va essayer de faire différemment que celle d'avant, sinon ça ne servait à rien de faire deux mélodies. Hein. tam, 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 tam.
Tadam. C'est très très bon ça. Attends, merde. Mince, pardon. Oh, j'ai des gros mots. Attends, j'ai une idée d'un coup là. Ok, j'ai une petite variante là qui m'est venue d'un coup. Dire que celui-là, on va le mettre là. Fuck. Et ben voilà! On a des accords sur 8 ans ce coup-ci. C'est génial! C'est génial, c'est génial, c'est génial! Et voilà! On va écouter ça. Parfait, en vrai là, tip top, nickel. Donc nous avons notre rythmique et à présent, on y va pour la mélodie. Ah, je parle pas beaucoup, hein. Je vous avais prévenu, hein. Je parle pas du tout, même. Tan, 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 tan. Eh, c'est pas trop mal, hein, ça, sérieux, hein.
Ok. Tac. Wow, 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 faut se calmer, faut se calmer, faut se calmer. Bon bah c'est pas terrible, terrible tout ça. Je pensais que ça allait mieux la deuxième, mais en fait non, pas du tout. Ouais, non, bah en fait, pas du tout hein, celui-là. Limite, il vaut mieux le laisser en comme ça. À chaque fois, je veux trop me compliquer à faire des variations et tout ça, mais en fait, le mieux, c'est regarder. Vous gardez la première ligne de vos accords, vous faites un truc assez linéaire, et allez hop, allez, faites quoi. Thank you.
Donc vous avez une autre mélodie, voilà, plus linéaire aussi, celle-là. Attendez, je vais tout activer et voilà ce que ça nous donne. Bam 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 bam. Et voilà, nous avons nos deux mélodies. Donc je vais vous faire écouter hein, la première qu'on avait fait qui était plutôt sur 4 temps, celle-là. Et celle-ci. Voilà, et en exclu, je vous mets une mélodie que j'ai fait dans l'après-midi. J'ai passé ma journée à faire des mélodies en fait, hein, je vais pas vous mentir. Donc je vais vous montrer, je vais faire écouter, comme ça vous voyez. Et en fait j'en fais plein, comme ça j'en ai des stocks et des stocks et des stocks. Mais réellement, hein, j'en ai réellement des stocks comme ça, et bah, celles que vous entendrez au grand jour, et bah, ça sera quelques-unes parmi toutes celles-ci, quoi. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, comme je fais beaucoup de mélodies comme ça, il y en a beaucoup qu'en fait je me sers jamais. Est-ce que vous, ça vous intéresse que je vous les donne ou que je crée un pack de mélodies, voilà, ce genre de trucs. Par exemple, ces deux-là, là, c'est sûr et certain, je m'en servirai pas. Voilà, est-ce que vous les voulez dans un pack de samples, ce genre de trucs et tout. Dites-moi dans les commentaires. Et charbonnez un maximum les pouces bleus si vous voulez. Et puis comme ça, si je vois que vous êtes chaud, bah, je vous les file, hein, les gars. J'ai mis beaucoup plus de temps à faire celle-ci, hein. J'ai mis une bonne heure cet après-midi à la faire. Donc les cordes, c'est ça. Ok, et la mélodie c'est ça. Et avec les cordes, ça nous donne ceci. Excellent, donc voilà, vous avez entendu les trois mélodies que j'aurais fait sur ma journée, voilà, c'est les trois mélodies. Sachez un truc, c'est que moi, faire des mélodies, j'adore ça. Enfin, je pense que ça s'entend dans mes musiques, par exemple dans Charbonneur. Vous dites, oh, la mélodie est complètement dingue, mais faut savoir que moi, j'adore passer des heures sur le PC à faire vraiment des mélodies, c'est ce que je préfère. En vrai, faire des mélodies et faire des jeux de kick, c'est les deux trucs que je surkiffe le plus dans la compo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois encore, je le répète, si vous voulez que voilà, toutes ces mélodies que je fais, que je ne me servirai jamais, si vous les voulez, donc que je fasse des packs ou des choses comme ça, voilà, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et à charbonner un maximum les pouces bleus. Comme ça, s'il y en a beaucoup, il y en a vraiment bzf, et ben je me dirais, en fait, quoi, les abonnés veulent que je leur donne. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme autre tuto la fois prochaine. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre, comment je sais pas moi, les jeux de kick, faire un break, un drop, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez envie de voir la fois prochaine. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt sur YouTube, et on se dit à plus dans le bus.